2. Alors, s'il vous plaît, maintenant vous êtes entré dans la classe des grands, et avant de commencer notre semaine, je veux vous apporter quelques précisions. Maintenant, on va travailler vraiment dans le livre et d'une autre façon. Nous avons passé une semaine de créativité. Et maintenant, la semaine qui arrive, ça va être une semaine d'élagage. Alors, je vais vous donner le mode opératoire. Je vais vous dire comment procéder. Ça va être plutôt sympa parce que c'est plus relaxant que la semaine dernière. La semaine dernière, c'est un travail de créativité, il fallait se concentrer. Là, c'est juste un travail de relecture et de correction. Alors, comme nous sommes 15, nous allons nous partager en groupes de 3, 5 groupes de 3. Pour l'instant, le problème, c'est que nous avons besoin de communiquer, que nous sommes 5 groupes de 3 et que ça fait beaucoup plus de bruit que quand nous étions tous dans la création, où tout le monde était absorbé par son écran, on n'entendait que les doigts sur le clavier. C'est plus complexe que ça. Je pense que vous n'aurez pas le temps. Mais bon, essayez. On a déjà commencé, nous. Hein. Ouais. Non, nous, on n'a pas commencé, on réordonne. Bah, après, chaque trio fonctionne comme il veut. Donc, ne vous laissez pas aller à la facilité. Il n'y a rien de plus dangereux. Donc, vous allez être obligé de dégraisser le mammouth, mais de le dégraisser convenablement, intelligemment, avec de la sensibilité. Surtout, n'oubliez pas que les odeurs, les couleurs, le mouvement, l'intrigue, la surprise, l'humour,